Right, good morning everyone. Since the workshop I was in was called Workshop 1, I will start this session, which is a report of the workshops. Our Workshop 1 was focused on a very narrow subject called money and finance. We had a very lively exchange on the current economic and financial situation, during which we also addressed some structural transformations that are taking place. Let me start with the current economic and financial environment. We concluded that any assessment of that situation would have to be judgmental, a result of balancing positive elements with a negative side made of various risks to consider. On the positive side, we noted growth. Global recovery is on its way at an unprecedented pace in the world economy globally, and also very much in this region of the Gulf countries, with a clear correlation with the degree of vaccination. Market economies, the financial sector and banks have proven quite resilient. Second, this was facilitated by very responsive fiscal and monetary policies, providing ample liquidity and government support. On the side of inflation, looking at it from concerns existing before the COVID crisis, the resumption of inflation can also be interpreted as a welcome exit from a situation that was on the verge of deflation. Central banks are monitoring the situation closely, and their inflation target, which actually converges around 2% for many central banks of developed countries, provides an anchor that guides policy responses. And finally, even in poor countries, for example in sub-Saharan Africa, there is a lot of dynamism, confidence and energy among policymakers. The state of mind is favorable. It was also mentioned that the new frontier is investment for climate and sustainability. The Build Back Better motto that applies for Africa should actually be build. Let me now focus on the negative side and risk side, or points of attention, and I will note briefly 9 of them. First, the growth picture is unequal, and growth remains too slow in emerging countries and many low-income countries, notably in sub-Saharan Africa. This is compounded by the inequality in the distribution of and access to vaccination, which was often mentioned in our discussions here. Second, even with the comfort of central bank careful policies, inflation prospects remain uncertain. Is the current inflation surge, which goes beyond the return to 2% that I noted earlier, it is fed by commodity and energy prices, as well as sustained demand facing supply and transportation bottlenecks. Is this temporary, or will it transform into sustained overheating? Liquidity remains abundant, energy prices are up, commodity prices are up, wages may increase and are no longer constrained by an aging Chinese labor force, though automation can compensate that, that effect. The jury seems to still be out, but there was no convergence in the group to either Larry Summers' prediction of a change of regime toward high inflation, nor Rubini's prediction of stagflation. Third, debt, both corporate and public, is very high, and its burden depends on the evolution of interest rates and therefore on the management and pace of tapering. This may not be a source of concern in the short term, but complacency would be dangerous. Fourth, in developing countries, debt can be managed, but it has become an overriding issue and requires new funding sources. The allocation of SDRs that has taken place recently has been excellent news, but it was also noted that it is relatively small and likely to be disbursed too slowly. Fifth, in some emerging markets, especially in China, financial risks have emerged that may spill over to financial markets worldwide. This is yet another point of attention. Sixth, over the longer term, questions were raised about the prospects for potential growth. Total factor productivity had been on a declining trend in advanced countries since before the 2008-2009 crisis, before recovering somewhat before the COVID crisis.
much of the uncertainty hinges on what to expect from technical progress with digitalization, artificial intelligence, and so on. Should we expect a powerful growth impact, which was not observed yet given understandable delays before technical progress is disseminated throughout the production process? Or will the impact on productivity be of little significance, as some economists, for example, Robert Gordon in the United States, have prophesied? One participant also remarked that all problems, pre-COVID problems, are still there, and that the COVID crisis may also be seen as an excuse not to implement needed structural reforms. Seventh, among the risks to consider, the social costs of the pandemic, of inequalities of situation throughout the pandemic, of frustration that may surface when policies, fiscal and monetary, go back to quote-unquote normal, were mentioned are potential issues which could possibly provoke political and economic unrest. How to manage social expectations appeared as a crucial question. Eighth, it was mentioned that the party may be over, in the sense that policy correction has started to take place. How this is managed, including on the side of social expectations, will be crucial for the pursuit of growth, the response of inflation, and financial market stability. Finally, the group noted but didn't discuss geostrategic uncertainties that were mentioned quite often in this seminar. Within our discussions, some structural trends received the group's attention. I will mention two of them. The first one was digitalization. It was described as pervasive, especially on financial markets, and disruptive in many ways. First, it announces a revolution in digital payments and the advance of a cashless society. This revolution is a disruption for banks because it deprives them of a source of revenue that was linked with payment systems that they used to control. It's no longer the case. Second, in digitalization, as part of this discussion, a distinction, important one, was made between crypto assets, which are mainly innovative and speculative financial instruments, however popular, who do not meet the criteria of money, and cryptocurrencies, which are based on basket of existing currencies, or which may soon be emitted as digital currencies by central banks. Central banks were seen as necessary to anchor the trust that is necessary in the currency and payment system, and it was felt very unlikely that a decentralized cryptocurrency system could emerge without a central role for central banks. And finally, another aspect of the disruption was linked to the labor implications due to automation. Up to 50% of employment in some places may be lost. For example, it was mentioned in some of the GCC banks. And in the future, more can be expected with the development of quantum computing. It was agreed that we should spend more time assessing the potential benefits and implications, as well as the risk for security and crime that quantum computing proposes. Finally, green finance was discussed in our group, the concern over sustainability, the attention to ESG concerns have become pervasive across the private sector. ESG in particular has become a powerful set of standards at a global level. Big companies are increasingly concerned by ESG, by climate. However, there is still the risk of greenwashing, and it is crucial if we want to mobilize finance for the development of a green economy to find ways to avoid this behavior of green and the temptation of greenwashing. To conclude, as often in this kind of discussions, there was a short exchange on whether we could or should be optimistic or pessimistic. Let me just synthesize that discussion by the combination of mental optimism with caution against any complacency. Thank you very much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, good morning. I'm very pleased to provide you a summary of the discussions we had in a kind of a special panel which looked a bit odd from the start, which combined energy, climate, environment,
sustainability and food supply security. Nonetheless, which really showcased that many of these issues are intertwined at the end of the day and will be increasingly as we move forward. We started taking stock of the multiple energy and supply chain crisis the world is in now. So what is obviously a very good news for fossil fuel producers and exporters is increasingly becoming a huge burden for importers and overall sets a big cloud on the global economy as we have very, very sky-high gas prices, as we have super high electricity prices, as we have major supply crunches in supply chains, which will increasingly affect industries, consumption, and probably can also impact the pace of the global recovery, not to speak only about inflation, but concretely about the ability to lift consumption and supplies. And what lately is happening in China, I think, is in everybody's mind. And we are just starting to see the consequences of that. The Chinese are curtailing electricity supplies to a number of factories. They are confronted with a shortage of coal, very high coal prices, not enough electricity is available. And so that is the world we are currently facing. And I think it complements well the points that you have raised here. We had a pleasure to have an outlook of what the future of the energy system could look like by 2050 as the world accelerates its decarbonization by TotalEnergies. And one striking factor you might be interested in is that in TotalEnergies' outlook, peak oil demand is coming before 2030. Nonetheless, don't expect a kind of linear decrease towards a sharp fall in oil demand. Things will be not linear, but probably very slow at in the first coming 10 years, and after we'll have an uneven decline, which triggered, of course, question as to, especially here in the region, whether investments in upstream oil are still needed. And just to keep basically oil production steady, you have to understand that to compensate the natural depletion of oil fields, which is about 3% per year, well, you still require very heavy investment on a yearly basis just to keep oil supply flat. So hence why it was stressed that continued investment into oil is important. I think the discussion also touched upon the fact that we are now in the middle of two worlds, right? The old world and the new decarbonized world, which is very still uneven and uncertain. Nonetheless, this transitional period will be accompanied, of course, by readjustments and whose pace, etc., is probably going to trigger many disbalances. And obviously, we will face disbalances in the oil and possibly in the gas markets in the years to come. We also touched upon how a global oil major, which used to be a global oil major and which is now a global energy and responsible energy oil major, is adapting and adjusting its strategy to that. And TotalEnergies outlined that totaling a capex of 15 billion euros per year, 50% is going to low carbon energy solution, which was quite impressive. We then moved on to discuss food security and sustainable food systems. And we had an absolutely fascinating presentation and outline by the new Minister for Environment and Climate Change of the UAE, Mariam El Mari, and that was absolutely fascinating because the fundamental issue in this country is food supply security. We in Europe are used to energy supply security being a core concern, but here it's food supply security. And we had, I think, a very interesting presentation of what is this country's strategy, how it has been coping with the fact that almost all its food products are imported, and hence vulnerable to supply chain disruptions. And the strategy, I think, looks extremely comprehensive, with already clear advances made. And some of those are based on new technologies,
you know, the genome sequencing of seeds, trying to improve water management and ensuring that water availability is enhanced using sustainable technologies. A food tech valley is being developed. There is a new class of entrepreneurs, agri-tech entrepreneurs, which are developing in this country. And I think that was quite impressive. And one of the results was that during COVID-19 here, there were no food disruptions in spite of the global disruptions in trade and value chains that we all witnessed. Overall, food security, we moved on to discuss two urgencies. Overall, food security in the world remains a major issue. We've seen a major setback in our ability to advance the SDGs globally and notably providing food for everyone on this planet. And that should remain a major issue of attention of policymakers around the world. And two things are sure, according to the discussion we had. First is you cannot have economic development, stability, and industrialization if the food supply security issue is not fixed, point A. And point B, if we are to feed a growing population in the planet, obviously we have to relook into genetically modified crops, and nonetheless also because one has to develop a more resilient agriculture to the number of climate change issues that we are facing. Another burning issue, but that is more a European one, nonetheless it will also increasingly concern the rest of the world, is electricity security supply in times when you move more renewables into the grid and when you phase out the dispatchable power generation assets that you have, that is coal, that is in some countries in Europe nuclear, which makes no sense from a climate point of view, but from an ideological point of view, obviously pleases, you know, certain people. And obviously here, what is needed is a new regulation, long-term price signals that are conducive to investments and business models to bring in the flexibility in the grid. And here, obviously, there's also room for, I think, greater discussions, not only in Europe, but also with a number of countries in the world that are betting high on renewables. And I think here the region could be an interesting case for that. We also had a conversation on COP26. The good news is the UAE that is hosting us this weekend has submitted a second national determined contribution, which I think deserves a lot of praise, especially since we know that a number of OECD economies haven't at all done any efforts beyond the NDC submission that they did in 2015, and I'm thinking here about Australia notably. We discussed measures on how we could save CO2 in a hurry. I think we well identified the real enemy that we are all facing, and this is coal. And so the key message, I think, is really that stopping and ending coal finance is just the first step among many others that need to follow, and those include starting to phase out coal-fired power generation, not only in our Western developed economies in Europe and Germany, in the US, but also especially in certain emerging economies and in South Africa, for example, or Indonesia, etc., came in the discussion. Last point before I close, I think it's important to have in mind that gas is probably a transitional fuel. It's largely wrongly identified as the enemy in Europe. It is required for the flexibility of energy systems. Of course, there's high prices these days, but the key focus should be really on curbing the fugitive methane emissions, which are very detrimental to global warming. I'll end here. Thank you for your attention. Mesdames, Messieurs, je fais le résumé des travaux de l'atelier 3 consacré à l'Afrique en trois points. D'abord le déroulé, ensuite les questions débattues et enfin les propositions. Le déroulé, d'abord l'atelier a eu l'honneur de recevoir Son Excellence Monsieur Tchèque Chakbout,
Bin Nayan Al Nayan, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, qui nous a entretenu de la création des Émirats arabes unis en soulignant que, créé en 1971, sans qu'une seule goutte de sang fût versée, et que depuis lors, les Émirats ont été construits sur la tolérance et l'amour du prochain. Qu'en conséquence, les Émirats arabes unis se saisissent de toute opportunité pour développer un bon partenariat et une bonne coopération avec tous. Nous l'avons applaudi là-dessus. Puis l'Assemblée a entendu successivement les exposés, ci-après, le résumé de l'exposé introductif du président de l'atelier. Ce résumé est publié dans la brochure de notre conférence. Et puis, on a écouté les exposés de Madame et Messieurs Nathalie Delapalme, Tchèk Tidiane Gadio, Elisabeth Guigou, Aminata Touré, Juliette Touakli, Lionel Zissou, Enardos Bekele Thomas. Monsieur Alain Antil a été discutant et puis les débats se sont ouverts. Nous avons évoqué un certain nombre de questions. En tout premier lieu, nous sommes partis de la conclusion de nos travaux de 2019 concernant l'État africain, dont certains ont dit qu'il était fragile. Et personnellement, je dis qu'au sud du Sahara, l'État en tant qu'institution n'existe pas, parce que cet État est dans une instabilité générale à des niveaux variés. Et certains de ces États connaissent des push, d'autres n'en connaissent pas du tout, mais ne manquent pas quelques crises. Mais ceux des États qui connaissent des push, des coups d'État, ralentissent leur propre développement et freinent le développement de l'intégration africaine, parce que une conclusion fondamentale est née bien avant l'indépendance, est que les États africains, issus de la conférence de Berlin, ne pouvaient pas se développer seuls, il fallait qu'ils se mettent ensemble. Et en étudiant ces stabilités, nous l'avons fait déjà en 2019, nous avons cette fois-ci constater que malgré les efforts faits depuis dans les années 1990-2000, les instruments qui ont été adoptés par les diverses organisations internationales proscrivant les push n'ont pas empêché les push. Non seulement les coups d'État et push, faisons la distinction. Le push, c'est lorsque des militaires prennent le pouvoir. Le militaire n'est pas investi d'un pouvoir politique. Quand il vient et élimine les organes constitutionnels pour prendre le pouvoir, eh bien, c'est un putsch ou pronunciamento. Mais lorsque un organe investi d'un pouvoir politique élimine tous les autres organes pour prendre la place, c'est un coup d'État, comme ce qui s'est passé au Mali et en Guinée, c'est des putschs. Parce que les militaires ont été formés pour aller au front et lutter contre le terrorisme, pas pour aller au pouvoir. Ce qui s'est passé en Tunisie est un coup d'État. Mais il est créé depuis quelques années un nouveau procédé où le chef de l'État régulièrement élu traficote la Constitution pour se donner un troisième mandat. Et ceci ouvre des crises. Et cette crise-là bloque l'intérieur du pays et gêne encore les organisations internationales. Alors, nous avons lu beaucoup de choses où on traite cette crise de coup d'État constitutionnel. Nous sommes un certain nombre à nous élever contre cette appellation. On ne peut pas dire qu'un coup d'État est constitutionnel. Si un coup d'État est constitutionnel, c'est qu'il est conforme à la Constitution. Donc, trouvons ensemble une expression et nous avons posé la question au sein de la commission, nous n'avons pas conclu. Nous nous sommes demandé s'il ne faut pas l'appeler tripatouillage
au tripotage de la Constitution. C'est au dictionnaire français. Donc, il faut trouver une dénomination pour caractériser cette situation qui crée beaucoup de problèmes. Alors, voilà le noyau de départ de nos entretiens. Ensuite, il y a la COVID-19. La COVID-19 a créé beaucoup de frayeurs, mais en même temps, nous nous sommes rendus compte que les États africains, globalement, se sont assez bien défendus. Et la COVID a créé de nouvelles solidarités. La COVID a permis aux États de se poser de nouvelles questions, et particulièrement l'industrialisation pharmaceutique. Parce que des vaccins sont arrivés en retard en certains endroits. Le peu d'électrification a fait que le transport à l'intérieur de certains pays, ce transport a posé des problèmes, et les vaccins sont arrivés après leur péremption ou mal conservés, n'ont pas pu être utilisés. Mais la COVID a permis tout de même de voir que les États africains peuvent se mobiliser pour gérer correctement certaines situations. La COVID a montré également que des solidarités ont pu se déclencher à cette occasion, et que par conséquent, ce fut une occasion pour l'Afrique de se révéler à lui-même. Deuxième question abordée, c'est le changement climatique. Sur ce front, nous avons toujours souhaité que l'Afrique puisse parler d'une seule voix dans les relations internationales. Et à la COVID-21, l'Afrique a montré qu'elle peut parler d'une voix qui soit entendue. Et nous relevons que nous avons relevé que la COVID, le changement climatique, a entraîné un certain nombre de problèmes nouveaux au niveau de la veine pâture. La question s'est posée de savoir s'il ne faut pas stabiliser l'élevage, parce que dans certaines régions d'Afrique, l'élevage se fait par veine pâture. On promène les animaux selon le pâturage, selon là où on trouve le pâturage. Et cette maladie avait fait un bon qualitatif au numérique en Afrique. Vous l'avez déjà souligné dans vos rapports. Nous aussi, nous l'avons évoqué dans notre rapport. En gros, les États africains qui ont le plus souffert de la COVID, mais pas seulement, c'est les États pétroliers. Certains États ont réussi à maintenir un taux de croissance positif. Voilà. Autre chose du changement climatique, c'est l'augmentation de l'urbanisation, qui d'un côté se révèle comme un élément positif de dynamisation du progrès économique, mais en même temps un élément de déséquilibre du budget, parce que l'urbanisation appelle énormément de dépenses budgétaires, et par conséquent, c'est un élément qui appelle plus d'investissements à faire, et donc plus de dettes. Mais il est un phénomène nouveau, et c'est un autre point que nous avons débattu, c'est que pendant ces années, l'Afrique a réussi à faire baisser le taux d'emprunt, premier point. Et deuxièmement, l'Afrique a réussi à obtenir un rallongement de la durée de l'emprunt. Chose qui est extraordinaire et qui montre que l'Afrique avance. Et quels que soient les éléments qui nous attristent,
l'Afrique avance. Et il y a une communication qui vigoureusement avait souligné à la satisfaction de tout le monde, d'ailleurs dans l'atelier, qu'il faut nécessairement faire des narratifs mobilisateurs. On ne les fait pas assez. Les États n'y consacrent pas assez d'argent et ce qui est positif ne se connaît pas. Et vous m'excusez, messieurs, mesdames et messieurs les journalistes, la tendance est que on considère que quand le train arrive à l'heure, il ne se passe rien. Donc on n'en parle pas. Quand le train déraille, on en parle pendant un mois. Or, il y a des trains qui arrivent à l'heure en Afrique et il faut aussi en parler. Nous avons abordé le terrorisme, la question du terrorisme, qui est liée à la question de stabilité sous un autre angle. La question du terrorisme ne semble pas préoccuper certains États africains au point où ça devrait les préoccuper. L'Afghanistan vient de changer de cap. Nous ne savons pas encore ce que ça va impulser au niveau du terrorisme. Et nous constatons que l'épicentre du terrorisme se déplace sur le continent africain. Aucun État africain n'est hors de ce danger. À un point tel que certains États paniqués parlent de recruter ou on attribue à un certain État africain l'intention de recruter des mercenaires. Or, nous avons rappelé dans notre atelier qu'il existe deux conventions. La convention de l'Organisation de l'Unité africaine adoptée à Libreville le 4 juillet 1977 incrimina le mercenariat et le considéra comme une infraction, donc interdisant à tout État de recruter des mercenaires et à toute personne physique ou morale de recruter des mercenaires. Et cette convention est entrée en vigueur. Puis, ça a été suivi de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement, l'instruction des mercenaires adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies par la résolution A44-34-1 du 4 décembre 1989. Entrée en vigueur et des États africains l'ont ratifiée. Et cette convention aussi est entrée en vigueur. Alors, on se demande comment on peut recruter des mercenaires. Je rappelle que pendant l'année 1977, où s'adoptait la convention de l'OUA, se terminait à Genève la convention sur les protocoles additionnels aux conventions de 1949. Les conventions additionnelles de droit humanitaire de 1977 additionnelles aux conventions de Genève de 1949 ont déclaré que le mercenaire ne peut pas être considéré comme un combattant et ne pouvait donc pas bénéficier du droit humanitaire. Par conséquent, il me paraît que le débat devait être clôturé sur cette question. Et il n'est pas question qu'un État aille recruter des mercenaires pour combattre le terrorisme. Alors, une question aussi se pose. Nous l'avons évoquée, nous n'avons pas trouvé la solution. Pourquoi les États africains ne se dotent pas de l'armée qu'il faut pour faire face ensemble, par groupe, au phénomène du terrorisme? Pourquoi? Et qu'il faut à chaque fois qu'il y ait des détachements des Nations Unies ou dans le cadre d'une coopération bilatérale que d'autres armées viennent. En Afrique de l'Ouest,
a été expérimenté dans les années 90, les Comogs, une armée de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui est venue remettre de l'ordre un peu au Libéria d'abord et ensuite en Sierra Leone. Mais pourquoi cette expérience n'a pas été refaite? Pourquoi, alors que, à la fin des années 1980, quand il y a eu l'affaire de Chaba au Zaïre, Alex Zaïre, les grandes puissances ont équipé des armées africaines pour que ce soit des armées africaines qui aillent au Chaba. Pourquoi on ne commence pas? Pourquoi le système mis en place par des organisations internationales, comme même l'Union africaine et la CEDEAO, d'alerte précoce, ce système n'a pas avancé. Et ça nous a conduit à nous poser la question des instruments adoptés en 1990-2000 par l'Union africaine et les organisations régionales africaines pour stabiliser, pour créer la stabilité démocratique à l'intérieur des États. Pourquoi ces instruments se sont essoufflés? Pourquoi ne pas faire comme ce que vient de prescrire le dernier sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le 5 septembre à Accra, revoir tous ces instruments et prendre, un, les dispositions du texte, et deux, les mesures appropriées pour plus d'efficacité. Nous avons abordé également la question de la jeunesse du continent. Le continent africain est un continent extrêmement jeune. Et nous avons souligné, des intervenants ont souligné que c'est une chance. Qu'on a l'impression que la jeunesse est négligée. On a même l'impression que la jeunesse est trahie, mais qu'en réalité, cette jeunesse-là demeure le fer de lance du progrès que nous constatons aujourd'hui. Parce qu'il y a des progrès, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès en Afrique, que ce progrès est marqué par les nouvelles générations qui, eux, sont décomplexées totalement de questions de colonisation ou de décolonisation. Eux ne s'en préoccupent pas comme leurs aînés qui, eux, sont sortis de cette question de colonisation, de décolonisation, etc. Nous avons également j'en ai parlé. Nous passons maintenant aux propositions. Nous avons fait deux séries de propositions. La première série de propositions s'adresse à la World Policy Conference. Et il faudrait que que l'Afrique soit non pas simplement envoyé dans un atelier, qu'il y ait une tribune de plus longue durée, en tout cas plus consistante, consacrée à l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent isolé. Ce qui se passe dans le Golfe Persique concerne l'Afrique. Ce qui se passe en Asie concerne l'Afrique. L'Afrique est impliqué. Ce qui se passe dans tel domaine concerne l'Afrique. Donc, nous sommes impliqués, complètement impliqués, totalement impliqués et absolument impliqués. Par conséquent, nous ne pouvons pas apparaître donc comme un peu un petit cheveu sur la soupe. Voilà l'essentiel de la proposition adressée aux organisateurs de la WPC. Il y a d'autres petites observations qu'on fera de manière plus appropriée. Maintenant, il y a des propositions qui doivent être portées à nos États, qui doivent être
apportés à nos États par ceux qui sont influents parmi nous, qui ont assisté et qui peuvent faire le lobby pour que les textes soient revus et que les textes soient respectés, accompagnés des mesures appropriées pour qu'il y ait la stabilité à l'intérieur, pour que la ZLECAF, la zone économique africaine qui a été lancée, et qui est une très très bonne source de coopération sud-sud, soit marquée par l'efficacité. Voilà en gros le résumé de nos travaux. Je vous remercie de m'avoir écouté.